Bonjour à tous, Olivier Tréca du Chasseur des Migrateurs. J'ai sorti mon beau polo jaune pour essayer d'attirer le soleil, hein, mais bon, apparemment, il n'y en a pas beaucoup ici à Amiens. Un petit peu, vous voyez, un petit coin de ciel bleu dans le fond. Mais finalement, c'est plutôt assez couvert, avec un léger vent de nord-nord-ouest. Voilà. Alors, bon, on va faire comme d'habitude. Premièrement, les observations. Deuxièmement, les vidéos. Avec tes prévisions. Non, alors on vient de sortir d'une très très belle période. Comme ceux qui ont envoyé des observations via le formulaire Google, vous avez pu recevoir le récapitulatif journalier. Et ce récapitulatif journalier, si vous le conservez, vous verrez que depuis le début de la semaine, on a eu une période, j'allais dire, à partir de dimanche, lundi, mardi, mercredi, ça a été quand même pas mal. Il commençait à avoir un petit creux mercredi. Et là, cette nuit, jeudi à vendredi, ça a repris un petit peu. Donc on a quand même 5 jours, 6 jours, voire 5 jours avec une migration très importante pour la saison, avec des sarcelles, des souchets, mais aussi des siffleurs. Ils ont été vus à plusieurs endroits, en particulier sur le littoral, bien entendu, et aussi des pilets, hein, qui ont été vus non seulement sur la façade atlantique, mais aussi sur le sud de la France, en Camargue. Merci à Francis, et qui m'a donné des informations très intéressantes, où on voit qu'il y a même des pilets donc, qui sont arrivés de l'est. Sur la Camargue, suite à ce coup de migration, comme quoi on a quelque chose qui est vraiment global. C'est tout à fait logique au regard des conditions météorologiques et des hautes pressions qui stagnent sur l'Europe du Nord depuis déjà un moment. Que vous dire d'autre? Je dirais que le passage a quand même commencé lundi à mardi. De manière importante sur le nord de la France. C'est poursuivi mardi à mercredi sur le sud de la France, sur le sud-ouest, où il y a pas mal d'oiseaux qui ont été vus. Ça s'est poursuivi mercredi à jeudi, hein, avec un petit trou dans le nord, mais ça a continué dans le sud-ouest. Il y a aussi des oiseaux là qui ont été revus un petit peu cette nuit, hein, sur le nord, donc je pense que ça devrait continuer. On voit aussi sur les comptages en Suède que on a eu un mouvement qui a duré quand même 3-4 jours. Alors hier, ça s'est un peu calmé, avec ce qui confirme un petit peu les observations qu'on a pu voir, des siffleurs, des pilets, des sarcelles, des souchets. Pas d'autres espèces, hein, finalement, très peu. On me signale quelques chipots par-ci par-là, quelques milouins par-ci par-là, etc. Mais globalement, ce sont essentiellement des sarcelles d'hiver, des sarcelles d'été un petit peu, des souchets, des siffleurs et un peu de pilets qui sont venus nous rendre visite ces derniers jours. Écoutez, voilà, on va passer aux prévisions. Je vais laisser la parole à Thierry. Hein. N'oubliez pas de renseigner vos observations via le formulaire Google. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le petit logo, hein, là-bas, en bas, à gauche, à droite, pardon, et vous cliquez sur s'abonner à la page Facebook. Hein, je vous engage aussi à vous abonner, comme ça vous recevrez en temps réel les notifications qui vont pour vous permettre d'avoir la primeur sur les informations sans que je le partage dans les groupes, etc. etc. Il y a aussi la petite page TikTok, hein, qui vous permet d'avoir les pronostics relativement succinctement et facilement. Bah écoutez, je vous souhaite un bon week-end. Moi, je vais filer à la chasse cet après-midi. On va essayer de voir si on peut tester quelques munitions. Et puis, on se retrouve mardi prochain. Voilà, allez, ciao, bon week-end! Bonjour à tous. Nous avons eu une semaine
Exactement comme on le pensait, c'est-à-dire avec un petit creux, mais très relatif en milieu de semaine, avec un petit regain donc hier soir. La semaine a quand même été assez bonne en général, c'est le cas de le dire. Alors maintenant, pour les 5 jours qui viennent, c'est vraiment très risqué de faire une prévision. On risque de se faire incendier parce que ça va être très 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 difficile de dire quel jour va être meilleur qu'un autre. Ce qui est sûr pour moi, c'est que on va faire un décrescendo progressif parce que on a une usure terrible du temps et donc plus les jours passent, plus le nombre d'oiseaux qui devaient passer est passé. Et puis il y a une autre dimension très importante cette semaine, c'est que la dernière semaine du mois d'août, historiquement, est la plus mauvaise du calendrier de chasse. Elle est à presque moins 30% par rapport à la moyenne de l'année. Et ça doit compter quand même dans nos prévisions. Pour ce soir vendredi, nous avons une situation qui mériterait en temps normal largement plus de 3 sur 5, mais on a deux points négatifs qui vont freiner nos ardeurs. La première, c'est que ça fait 6 jours que ça passe, et donc là, on est quand même déjà en situation d'usure. Et puis la deuxième, c'est qu'il y a pas mal de brouillard prévu et la perturbation de l'Europe de l'Est n'est toujours pas évacuée. Donc 2,5 seulement sur 5, ce qui est quand même pas mal comme note en général. Pour samedi soir, on prend les mêmes et on recommence en un peu moins bien. Pourquoi un peu moins bien? Parce que le champ de pression s'affaisse sur la Scandinavie et que le centre d'action se met à l'ouest de l'Écosse, ce qui n'est pas forcément favorable car les vents vont remonter plutôt nord plutôt que nord-est ou ouest, et c'est un peu moins bon pour notre migration. Et puis l'usure, elle est là de plus en plus là, et normalement, ça s'épuise. Pour dimanche, on prend exactement la même prévision que pour samedi. Il n'y a aucun changement, aucune modification, toujours les mêmes facteurs négatifs, tension migratoire un peu affaibli, même assez affaibli, et toujours cette perturbation qui est sur l'Europe de l'Est et qui apporte des brouillards et du mauvais temps. À noter, 8e jour de vent d'Est, ça commence à faire beaucoup, évidemment. Pour lundi, c'est encore la même chose. Et la note baisse encore d'un demi-point parce que l'usure va augmenter. Et donc, on aura forcément un impact sur la migration. Voilà, donc pour lundi, 1,5. Pour mardi, le temps est en train de complètement changer sur la Scandinavie et sur l'Europe de l'Est. Là, on a une dépression qui est en train d'approcher. Les vents d'Est sont terminés. Et donc, le pronostic revient à 1 sur 5, ce qui commence à faire quand même beaucoup plus faible. Et puis, on est surtout dans cette dernière semaine du mois d'août avec ce creux historique statistique qu'on est obligé de respecter. Voilà, je vous souhaite de bonnes bredouilles, bien sûr, mais aussi, je voudrais vous féliciter car cette semaine, on a battu vraiment tous les records d'informations de la part de tout le monde et je crois qu'on est en train de faire un super bon boulot. On va affiner encore plus nos prévisions dans le futur. Voilà. Allez, bonne semaine. Bonjour à tous, c'est Val pour le chasseur de migrateurs. Pour ce vendredi 27, je vais pousser la note à 3 sur 5. Il y a un vent de nord-est, les conditions sont bonnes. Sur les comptages, on voit davantage de siffleurs. Donc pourquoi pas quelques siffleurs en plus qui viendraient s'ajouter aux éventuels sarcelles et souchets. Samedi 28, le vent change un peu, je vais mettre 2,5. Dimanche 29, le mouvement devrait s'essouffler, donc je vais laisser quand même la note de 2, c'est des bonnes conditions, mais on est à quelques jours, on a passé quelques jours déjà très intéressants. Et lundi 30, je mets la note à 1,5. Bonne semaine à tous. Bon, alors, me voici, me voilou. Alors, on va essayer de démêler un petit peu les fils de cette situation qui est plus complexe
que ce qu'elle en a l'air. Alors, après une très bonne semaine, une très bonne période, le passage va-t-il continuer? Alors, fort probablement, mais aussi fort probablement moins fort. Alors, je vous explique la situation. Ça, c'est aujourd'hui avec à 0 heure. Voilà, c'est à 0 heure. C'est dans la nuit de jeudi à vendredi à 0 heure. Non, qu'est-ce qui se passe? On a des hautes pressions sur la mer Blanche et qui, enfin, on a de hautes pressions qui recouvrent l'ensemble du nord de l'Europe, des îles britanniques, jusqu'à Moscou et même jusque la Sibérie. Et par contre, on a une dépression qui, elle, est centrée sur l'Allemagne et la Pologne et qui génère de la pluie et des nuages sur cette partie de l'Europe. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a des zones de départ qui sont très bonnes sur la Russie, la Scandinavie, le nord de la Scandinavie, les îles britanniques. Mais vous voyez, on a une grosse tache bleue au milieu là, qui représente les précipitations. Donc les oiseaux n'aiment pas trop voler dans la pluie. Alors ils peuvent prendre le jet qui est au-dessus, vous voyez, c'est la ligne blanche qui est bien installée depuis depuis pas mal d'heures. Je pense que ça va quand même continuer à passer avec des sarcelles, des souchets, siffleurs pilés comme on a eu depuis le début. Mais probablement en moins grand nombre. Je dirais même que ça devrait être peut-être même un petit peu moins que les notes que j'ai données, plutôt 2,5. Hein, voilà. Alors, dans la nuit de samedi, c'est exactement la même chose, sauf que bon, on a un peu moins de pluie sur l'Allemagne. Le jet est excellent. Et les oiseaux peuvent partir d'Islande, parce qu'il y a aussi un jet qui va les rejoindre. Donc, je pense que ça pourrait continuer à partir, peut-être un petit peu plus que la nuit de vendredi à samedi, avec des sarcelles et des siffleurs. Dans la nuit de dimanche à lundi, on voit qu'il y a beaucoup plus de pluie, hein, un plafond bas sur la Belgique, l'Allemagne, les Pays-Bas. Les conditions sont toujours très bonnes sur le nord de l'Europe. Mais les conditions de vol sont plutôt bof. Donc pour moi, voilà, 2,5 sur le nord-ouest, 2,5 sur le sud-ouest, 2 sur l'est, parce que là il va y avoir de la pluie, et 1 sur le sud-est. Ensuite, de lundi à mardi, alors les pluies se décalent un peu vers le sud-est. On voit que ça a l'air d'être un petit peu meilleur. Alors le jet est un peu moins bon, mais toujours très bon pour les Islandais. Je pense que ça pourrait être une bonne petite nuit à aller passer partout en France. Hein, surtout que le jet va recaler les oiseaux peut-être un petit peu plus sur l'intérieur. Donc je pense que ça devrait être pas mal sur toute la France. De mardi à mercredi, bah là, je pense que ce sera moins bon parce que les pressions se scindent en deux. On a une dépression qui arrive du nord. Et qui chamboule tout. Il y aura probablement un peu de pluie aussi sur l'est de l'Allemagne, toujours. Du vent nord-nord-ouest sur la France. C'est toujours OK, mais bon, de toute façon, le nombre d'oiseaux devrait, en partance, devrait être limité. Je vois pas. Ça devrait commencer à être. Plus difficile de voir des oiseaux. Hein. Ceux qui devaient partir sont partis. Et il faut attendre un petit peu plus de. Un changement de temps, en fait, pour que on ait de nouveau des départs. Donc il faudrait qu'il y ait une bonne dépression qui arrive. Ensuite, les pressions se remettent en place. Et là, ça va repartir. Hein. Mais là, on va rentrer dans un passage diffus. Hein, un passage diffus. Voilà, donc en résumé, je pense que on devrait avoir un jour sur deux, ou presque. Donc vendredi, je vois moins, donc 2,5, 2,5, voilà. Samedi, dimanche, 3.
dimanche, lundi, 2,5. Après, ça pourrait repartir lundi, mardi. Et puis diminuer mardi, mercredi. Donc, on va avoir une alternance, un petit peu une migration sur cours alternatifs en fonction, tout simplement, des conditions de vol sur l'Allemagne. Si il y a des éclaircies, alors ça, vous pouvez le voir sur Vantus Sky, par exemple. Hein, si le ciel s'éclaircit à la suite du passage d'un front, etc., bah, les oiseaux vont partir. Tant qu'il pleut, les oiseaux ne vont pas partir. Donc, vous pouvez regarder un petit peu ça. Alors, les prévisions ne sont pas précises à ce point sur les jours, 5 jours, etc. Mais essayez de suivre ça et puis vous verrez un petit peu en fonction du ciel qui va se dégager ou pas, les saisons vont partir. Donc, vous pouvez suivre ça sur Vantus Sky en particulier, hein, sur la partie nébulosité. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Moi, je vais filer à la hutte et puis on essaye de se retrouver donc la semaine prochaine, mardi. À bientôt, ciao!